Aujourd'hui, c'est un bon jour pour moi parce que là, ça sera le training avec mon gars Jojo. Là, je l'attends tranquillement. Il doit être quoi? Il doit être 16h. Il va venir à 18h. Je l'attends. On va se faire un training biceps et petit rappel épaule. On verra. Bon, après, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, dame, si tu fais tout le temps les biceps, il y a beaucoup de training biceps sur ta plage et tout. Mais le truc, c'est que le biceps, c'est mon point fort et là, j'ai perdu des bras. Tu vois, quand tu perds ton point fort, c'est compliqué, t'es plus rien. Donc faut que je rattrape ça. Bah oui. Parce que pour faire les poses biceps là à la salle, je peux plus faire ça. Je peux plus. Donc, faut que je rattrape mes biceps. Donc là, je vais faire beaucoup de training avec lui. Et on va essayer de s'organiser afin de faire des séances complètes et assez hard. Là, on sera à deux, donc ce sera plus facile. On sera plus motivé. On aura plus la force de faire des séances beaucoup plus lourdes. Parce que comme j'ai dit dans une de mes vidéos, des séances à deux, si tu veux, t'as un peu plus la motivation et un peu plus la force d'y aller plus loin. Mais faire attention de ne pas utiliser l'ego. Parce que l'ego, c'est ce qui fait que tu mets des charges très lourdes. Bon, tu les soulèves, hein, mais tu peux te blesser. Donc, l'ego, faut le mettre de côté. À part si tu dis, bon, tu mets lourd, mais tu sais dans ta tête, tu peux le faire. Sur ce, je vais me faire à manger. Là, je pense que ce sera 3 ou 2 steaks avec des pâtes. Tu vois, un repas classique. On va prendre la BCA et je te montre le training. Allez, c'est parti. Gagne, gagne. Allez, mon gars. Gagne. Allez, gagne. Good job, good job, good job. Good job, good job. Yes. Yes. Nervous. Come on. Nice. Allez. Parfait. Yes. Allez, come on.
comme hey, comment c'est 40. Tout ça. C'était même pas 800 ou quoi? Tranquille. Ça va être chaud. Comment comment ah, tu peux en faire quelques-unes. 6. 1. Allez. 1. Allez. 2. 3. Facile. 4. 6. Il a des foutaises. Hein. 7. 8. 9. Ah, il fait les 10. Ok, LM. Vas-y mon gars. Allez. Let's go. C'est la fin du training avec mon gars. Je suis KO. On a fait une très très bonne séance. Et waouh, putain. Là j'attends que mon corps redescende là pour que je puisse me doucher tranquillement. Parce que là mes bras j'ai du mal à les bouger. Dès que ça va mieux là d'ici une heure ou deux là, je fais une douche chaude. Obligé. Douche brûlante même. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. En fin de vidéo, je vais mettre le Insta de mon gars Jojo. Avec lui, je vais faire beaucoup de séances, tu vas voir ça comme je te l'ai dit. Je préfère pas parler, je préfère laisser les trainings parler d'eux-mêmes. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.